Les commerçants exerçant sur le boulevard Nangui à Brogouadadjamé vivent en ce moment leurs dernières heures d'activité à cet endroit. Ils seront certainement déguerpis dès ce lundi 10 février, selon les autorités municipales. Encourager et promouvoir la présence des femmes au sein des médias en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif que se sont fixés le REPMASI, l'Institut Panafricain et l'UNESCO. Ces structures ont organisé récemment un forum sur les droits et besoins des femmes de Côte d'Ivoire. Et puis la Russie a inauguré hier ses Jeux Olympiques d'hiver, des JO qui se tiennent cette année à Sotchi. La cérémonie d'ouverture somptueuse et haute en couleurs a illuminé Sotchi et fait briller la Russie à travers le monde. Vous faites bien de choisir RTI2 pour vous informer. Bonjour à tous. Les commerçants installés sur le boulevard Nangui à Brogouadadjamé ne disposent plus que de 48 heures pour plier bagages au risque de se voir chasser. Les autorités municipales, dans la dynamique d'assainissement de la commune, procéderont dès lundi matin au déguerpissement de plusieurs artères de la commune, dont le boulevard Nangui à Brogouadadjamé. Grâce à Adrienne Kando, nous en dit plus. Les commerçants installés de façon anarchique tout le long du boulevard Nangui à Brogouadadjamé dans la commune d'Adjamé seront déguerpis. Lundi 10 février est la date retenue pour cette opération. L'objectif, selon le deuxième adjoint au maire de la commune à Boufané, donner à Adjamé un nouveau visage. On a décidé de prendre les troupes à la corne, de prendre nos responsabilités, c'est-à-dire assainir notre commune. Donc ça va commencer par quoi? Par le boulevard Nangui à Brogouadjamé, qui est vraiment pour nous une vitrine. Donc ce qu'on compte faire, c'est de désengorger le boulevard et réorganiser les commerçants, permettre aux voitures de circuler librement sur la chaussée. Donc on fera du boulevard un rêve. Toujours selon le deuxième adjoint au maire, des sites de recasement sont prévus pour ces commerçants. Il les exhorte donc à les occuper. Plusieurs rencontres de sensibilisation avec les commerçants et toutes les forces vives de la commune ont eu lieu sur le sujet. Un tout autre sujet à présent, seulement 86 journalistes professionnels sur les 490 que compte la Côte d'Ivoire sont des femmes. C'est du moins ce que révèle une étude menée récemment pour certaines organisations nationales et internationales. Ces chiffres dénotent du manque de représentativité de la gente féminine au sein des médias ivoiriens. Comment alors promouvoir un environnement médiatique plus favorable aux droits des femmes, à l'information et à la communication en Côte d'Ivoire? Des éléments de réponse dans ce reportage. Sur 490 journalistes professionnels, on ne dénombre que 86 femmes et sur 289 professionnels des médias, on n'en compte que 56. Pour pallier cette insuffisance de femmes dans les médias, l'Institut Panes Afrique de l'Ouest, le REPMASI et l'UNESCO initient une réflexion sur cette question du genre. 75% des femmes en Côte d'Ivoire rurale sont au-dessous du seuil de la pauvreté. C'est vrai pour l'accès à l'emploi, c'est vrai pour l'éducation. 36% des femmes sont éduquées en Côte d'Ivoire. La question ici, c'est de savoir quels sont les droits des femmes qui méritent d'être les plus connus, les plus enseignés, parce que souvent les femmes ne connaissent pas leurs droits, et finalement respectés. L'atelier est organisé donc pour que des solutions soient trouvées, pour que les femmes soient prises en compte, surtout au niveau des médias. Garantir les droits et besoins spécifiques des femmes à être informées et entendues, le thème de cet atelier animé par Agnès Crédy. Plusieurs études menées en Côte d'Ivoire font état de la non-représentativité des femmes dans plusieurs secteurs de la vie publique, notamment celui des médias. Au sortir donc de cet atelier, les conférenciers ont fait plusieurs propositions pour booster l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans les entreprises de presse. On ne traite pas l'information en tenant compte des spécificités des femmes ou des besoins des femmes ou des hommes. Nous éduquons tous à prendre en compte donc le genre, créer les conditions pour que les rédactions, à travers l'information justement, intègrent le genre, mais aussi inviter les femmes en tant que source d'information à s'exprimer et à parler. Plusieurs thèmes feront l'objet de débats au cours de ce forum qui va durer 2 jours. Ouvrons la page à culture de cette édition, une journée exclusivement dédiée aux livres à l'Institut Sacré-Cœur d'Abidjan. L'initiative telle qu'engagée vise à intéresser les élèves à la lecture. C'était le 5 février dernier en présence de plusieurs écrivains ivoiriens, dont le célébrissime Bernard Bédadier, Franck Quadio. Des élèves hors des classes, des bouquins en main. Nous sommes à l'Institut Sacré-Cœur d'Agamé Iska. L'établissement célèbre le livre, une journée tout entière dédiée au livre pour inculquer le goût de la lecture aux élèves. C'est pour stimuler les jeunes gens, nos élèves, à faire la lecture, à aimer le livre,
et aussi apprendre à écrire. La lecture permet une grande culture. Nos enfants aujourd'hui se plaisent dans les jeux vidéo. Tout ce qui les intéresse, c'est les petits jeux. Ils oublient que le livre cultive l'esprit et que c'est plus important parfois que la nourriture. Avec la participation de plusieurs maisons d'édition, d'ouvrages et d'écrivains, dont l'illustre auteur Bernard Dadier, cette célébration du livre est appréciée des élèves qui d'ailleurs reconnaissent les bienfaits de la lecture. Le livre, c'est un bon outil de renseignement pour nous les élèves parce qu'il nous éduque et puis nous permet d'argumenter nos devoirs en français. Il faut souvent lire pour pouvoir bien faire les dictées et puis éviter surtout les fautes d'orthographe. C'est une grande joie parce que les auteurs qui sont venus sont un modèle pour nous. Les élèves doivent aimer la lecture, c'est l'engagement pris par l'ISCA. Pour joindre l'acte à la parole, l'établissement prévoit la construction d'une bibliothèque en son sein qui portera le nom de feu Bernard Zadi Zaourou. C'était plutôt un reportage signé grâce à Adrienne Kondo. Retrouvons justement Franck Kouadio pour parler cette fois-ci brassage culturel entre Israël et la Côte d'Ivoire. Daniel Alnouma, célèbre danseuse israélienne, est sur les bords de la lagune Ébrié depuis quelques jours. Cette visite intervient dans le cadre d'une rencontre avec les jeunes artistes locaux. Salle de répétition de l'école de danse et de théâtre de l'INSAC. La séance du jour n'est pas celle des jours ordinaires. On s'applique plus que de coutume. Aujourd'hui, c'est danse orientale au menu. Fais comme un serpent qui veut traverser les champs. Il doit vraiment traverser les champs. Pensez à que vous voulez bouger chaque muscle de votre main. Daniel Almouna, une danseuse professionnelle israélienne, anime cet atelier de danse. Un partage de connaissances et de nouveaux pas. Moins de paroles et place à la danse. Pas toujours facile de maîtriser de nouveaux réflexes. Edwige est étudiante en première année. L'expérience, elle, la juge intéressante. Au travers de cette chorégraphe, on pourra apprendre la danse contemporaine. On pourra apprendre la culture israélienne et la danse contemporaine que je n'ai pas encore apprise. Le pont Côte d'Ivoire-Israël par la danse, une initiative des responsables académiques qui revêt tout son sens. Nous sommes un établissement de formation et nous sommes dans un système, le système LMD depuis l'année dernière. C'est un système qui conduit à la professionnalisation des étudiants. Et donc, dans le cadre de leur formation, nous établissons des collaborations pour inviter des professionnels afin que ceux-ci partagent avec les étudiants leur expérience. Daniel Almouna va sillonner plusieurs écoles d'art et espaces culturels du district d'Abidjan. Un périple couronné par un spectacle de danse intitulé « Le tunnel ». Vous allez le voir en image, la finale du concours Miss District Afrique s'est tenue hier au Sofitel Hôtel Ivoire. C'est Trabi Yasmina Aminata qui succède à Akar en victoire. Miss District Afrique est un concours de beauté qui fait la promotion de la beauté, mais aussi de l'intégration des peuples. Vous en saurez plus dans nos prochaines éditions. Les inscriptions au BTS se feront désormais en ligne sur le site de la Direction de l'orientation et des examens www.examsup.net pour tous les candidats, qu'ils soient libres ou officiels. L'information a été livrée hier au cours d'un point de presse par la directrice générale de l'enseignement supérieur et des œuvres universitaires. En bref, une trentaine de civils Touareg, dont deux femmes, ont été froidement exécutées jeudi à l'est de Gao. Les assaillants seraient des Peuls, soupçonnés d'être à la solde du Moujao. Ce vendredi, en représailles à ce massacre, des Touareg les ont pourchassés vers la frontière nigérienne. On dénombre plusieurs morts. Jean Ping est-il la nouvelle figure de l'opposition gabonaise? En tout cas, tout porte à croire. À cause de ses déclarations lors du séminaire des souverainistes, l'ex-diplomate semble avoir définitivement rompu avec le parti au pouvoir. Regardez. Jean Ping était la vedette de cette rencontre organisée par les souverainistes, une tendance radicale de l'opposition gabonaise. C'était sa première sortie publique depuis qu'il a quitté la présidence de la Commission de l'Union africaine.
L'ancien chef de la diplomatie gabonaise et figure de proue des années Omar Bongo a clairement annoncé sa rupture avec le pouvoir d'Ali Bongo. À travers les écoutes téléphoniques, à travers ce que je leur dis au téléphone pour qu'ils comprennent, à travers les espions qu'on m'envoie, les parents et les autres, je leur dis en termes très clairs que puisque vous m'emmerdez, je vais vous emmerder. L'annonce fracassante de Ping fait le buzz au Gabon, un pays qui cherche désespérément un opposant charismatique. Chef d'un petit parti socialiste, rangé dans l'opposition depuis les années 90, ce professeur de philosophie, qui a toujours refusé d'entrer dans un gouvernement, est sceptique sur les intentions réelles de Jean Ping. C'est un enfant du régime, qui a vécu du régime, qui est resté longtemps dans le régime, et qui prend position maintenant. Pourquoi pas avant, pourquoi maintenant? C'est ce que l'avenir nous dira. Le pouvoir tente de minimiser le choc. Le désormais ancien camarade militant du Parti démocratique gabonais est traité comme un simple égoïste frustré. Ce qu'il y a de particulier dans les déclarations de M. Jean Ping, c'est que ce sont des déclarations pour un acteur politique de ce rang supposé qui n'ont aucun rapport avec la population gabonaise, aucun rapport avec le pays, mais qui sont toutes centrées sur sa personne, ses intérêts, les intérêts de sa famille. Il reste à savoir si à 72 ans, le diplomate Ping défiera Ali Bongo lors de l'élection présidentielle de 2016, pour laquelle l'actuel chef de l'État est l'un des probables candidats. Merci, chef. Le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a décidé hier vendredi 7 février d'ouvrir un examen préliminaire sur des crimes commis en Centrafrique depuis septembre 2012, date de la création de la CELECA. En Israël, les Palestiniens font de la résistance populaire dans la vallée du Jourdain. La Croix-Rouge internationale leur a même suspendu depuis mercredi la distribution de tentes. Sous le nom de Sel de la Terre, des centaines de Palestiniens ont lancé le 31 janvier une campagne de résistance populaire à l'occupation israélienne de la vallée du Jourdain. Ils ont réinvesti le vieux village cananéen de Ain el-Hijle, situé en zone C, c'est-à-dire sous le contrôle de Tsahal, et menacé d'annexion dans le cadre du règlement proposé par le plan Kerry. Cette action est destinée à rejeter la situation politique actuelle et en particulier ce qui est proposé aux négociations qui s'abordent nos droits et notre liberté sur notre terre. Le plan américain permettrait en effet à Israël de maintenir une présence militaire dans une zone tampon le long des 100 km de frontières fluviales entre la Cisjordanie et la Jordanie. Déterminé à sauvegarder ce qu'il appelle une profondeur stratégique minimale pour sa sécurité, l'État hébreu est passé à l'action la nuit dernière. Les soldats ont évacué de force les Palestiniens qui campaient là depuis une semaine et les ont transférés à Jéricho. Ils ont attaqué de manière très violente, faisant usage de fusées éclairantes et de bombes assourdissantes. Il y a eu également des coups de feu. Il y avait parmi nous des enfants et des femmes qui ont été aussi agressés. Les soldats sont arrivés en grand nombre avec des véhicules chenillés et blindés, mais cela ne cassera pas notre volonté. La résistance populaire se poursuivra et vaincra et nous reviendrons à Ain el-Hijle. Entre les questions de sécurité israélienne et de souveraineté palestinienne, la vallée du Jourdain est devenue un casse-tête supplémentaire pour la diplomatie de l'administration Obama. En Bolivie, des pluies torrentielles et des inondations ont fait 38 morts et de nombreux sans-abri, selon le gouvernement. Le ministère de la Défense a annoncé avoir envoyé une aide alimentaire et l'armée a entrepris des évacuations dans les régions les plus touchées, comme le département de Beni, au nord-est de la capitale, La Paz. Au nord de la Bolivie, le département de Beni. Une terre submergée par les eaux. Ici, les pluies n'ont laissé aucun répit depuis septembre. Et ces villageois vivent désormais coupés du monde. Ce dont on a besoin, c'est de la nourriture et de l'eau pour l'ensemble de notre communauté. Il faut que notre bétail soit mis à l'abri sur des terres plus hautes. C'est toute la Bolivie qui est touchée par cette saison des pluies, inhabituellement longue et intense.
Mais ces conséquences dramatiques se font sentir dans 4 départements en particulier. On y compte déjà une 40aine de morts et des milliers de sinistrés. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence et mobilisé l'armée pour organiser les évacuations. On ne pouvait pas partir. Ça fait un moment qu'on était coincés. Même la piste d'atterrissage était inondée. Une situation qui risque encore de s'aggraver. Les météorologues ne prévoient aucune amélioration dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. Vous pourrez revoir cette édition sur les www.rti.ci. Merci de votre attention et excellent week-end à tous.